Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau business sans investissement obligatoire, mais vraiment pour y gagner, il faut investir. Donc je vais vous présenter le site Golden Farm. Alors Golden Farm, c'est une sorte de jeu qui vous permet de gagner de l'argent en achetant des oiseaux. Des oiseaux comme ce que vous voyez là. Ces oiseaux vont pondre des œufs et ces œufs, vous allez les collecter, ensuite les revendre pour gagner de l'argent. Voilà. Donc, en fonction du type d'oiseau que vous achetez, vous gagnez de l'argent. Déjà, je vais vous montrer comment le site marche. Après vous être inscrit, quand vous loguez sur votre page, je vais mettre le site en français pour que beaucoup puissent comprendre. Je vais traduire. Moi, généralement, je ne traduis pas mes sites. Si c'est en anglais, c'est en anglais. Voilà. Parce qu'en français, moi, par contre, ça m'embrouille. Alors, vous voyez comment gagner de l'argent en jouant. Quand vous êtes là, je vais vous présenter l'interface. Ici, vous voyez recharger le compte. En anglais, c'est replish ou quelque chose comme ça. Recharger le compte. Ça, c'est ce que vous pouvez réinvestir pour acheter les oiseaux. Et ça, c'est ce que vous pouvez retirer comme fonds. Maintenant, déjà, tout d'abord, qu'est-ce que vous allez faire? On va paramétrer le compte pour que ce soit en dollars plus facile. Bon, l'Europe, c'est la monnaie russe. On va paramétrer pour changer tout ça. Donc, ici, déjà, qu'est-ce qu'il y a à faire? Quand vous êtes dans le site, l'étape 1, c'est que vous allez payer un oiseau. Vous allez choisir l'oiseau en fonction de la couleur, en fonction du nombre de pièces que vous disposez. L'avantage, c'est que quand vous créez un compte, vous avez 300 pièces d'argent donc qui sont à votre disposition, qui vous permettront déjà d'acheter, n'est-ce pas, l'oiseau vert et commencer à jouer en gagnant. Ou alors commencer à gagner en jouant. Voilà. Deuxièmement, les œufs seront stockés au storehouse, ici, à l'entrepôt des œufs. Voilà. Vous allez les collecter. Je vais vous montrer comment ça se passe. Ensuite, et les vendre pour échanger avec l'argent. Donc, quand vous les vendez, vous recevez des silver coins. Et ces silver coins-là, vous pouvez les changer contre du vrai argent. Donc, pour commencer, vous allez vous inscrire via le lien. Le lien, vous pouvez trouver le lien en description de la vidéo ou en commentaire. Ensuite, voilà, les avantages, c'est que, en fait, effectivement, c'est un site qui vous permet de garder de l'argent, d'économiser, d'épargner. Et ensuite, les œufs produits par les oiseaux, vraiment, ça se multiplie en fait. L'avantage avec ça, c'est que vous ne faites rien. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir et de collecter vos œufs et de les vendre pour récolter des pièces d'argent. Donc, en illimité, vous gagnez. Maintenant, un autre avantage, c'est que lorsque vous achetez un pack pour ceux qui veulent investir pour gagner plus vite, parce que pour gagner avec Golden Farm, vraiment, il faut investir. Et voilà, vous ne perdez rien. Vous avez 100%. Vous gagnez déjà, vous avez à 100% de votre investissement en termes de points pour tous les réapprovisionnements, c'est automatique. Maintenant, pour les approvisionnements de 150 euros, je vais changer la monnaie tout à l'heure. On va revenir dessus pour voir ce que vous gagnez comme bonus à chaque fois. Maintenant, quand vous êtes déjà inscrit, déjà, je vous recommande de venir dans les paramètres du compte. Donc, déjà, traduisez, n'oubliez pas de traduire votre navigateur en français. Donc, vous venez dans les paramètres du compte. Ensuite, on va changer la devise. Bon, comme le navigateur en français, je vais un peu mettre en anglais juste pour que vous voyez la devise. Oui. Donc, voilà. Bon, je pense que ça ne change pas parce que je venais de le changer tout à l'heure. Donc, on va revenir dessus plus tard. Voilà. Donc,
Vous allez changer la monnaie ici. Normalement, ça va vous afficher cette monnaie robe et le dollar. Donc, vous allez venir ici à Maine. On revient à Maine. Voilà. Vous pouvez calculer combien vous allez gagner. C'est-à-dire, pour pouvoir savoir quel oiseau acheter. Déjà, je vous dis, les oiseaux qui donnent beaucoup d'argent sont à partir de l'oiseau bleu, rouge et Monsieur le Roi. Donc, vous pouvez calculer vos gains ici. C'est-à-dire quoi? Avant de calculer, voilà, on va parcourir déjà cette interface, My Farm. Donc, comme je disais tantôt, bon, je vais revenir en français. Désolé. J'avais oublié que j'étais en... Voilà. Donc, on va revenir à l'entrepôt. Comment ça se passe? Vous devez acheter tout d'abord des oiseaux. Donc, voilà. Lorsque vous allez vouloir acheter des oiseaux, vous allez voir les oiseaux en fonction des couleurs et leur prix. Un peu de fatigue, il est 23 h. Ouais. Vous voyez l'oiseau vert? Il vous coûte 150 pièces d'argent. Voilà. Entre-temps, vous avez reçu 300 pièces d'argent. Donc, ça signifie que vous pouvez acheter deux oiseaux ici. Moi, j'ai cinq oiseaux là. L'oiseau jaune, il vous produit. Et puis, voilà, la productivité, c'est qu'il produit 5 œufs par heure. C'est petit. Jaune, il vous produit 5 œufs par heure. Le marron, 277 œufs par heure, bleu, etc., etc., etc. Donc, vous voyez que ça devient intéressant à partir d'ici parce que il vous produit ce nombre d'œufs par heure. Sachant que 100 pièces d'argent équivaut à 1 rub et que 1 dollar équivaut à 65 rub. Donc, j'aurais préféré mettre ça en dollars parce que c'est plus facile. Je sais même pas pourquoi j'ai changé. Donc, vous voyez. Vous pouvez voir combien il vous faut de pièces d'argent pour acheter un oiseau. Quand vous voyez ici 150 000 pièces d'argent, sachant que 100 pièces d'argent font un rôle, vous pouvez juste diviser, faire l'opération 3. C'est facile. Vous trouvez le nombre de dollars qu'il vous faudra pour acheter ça. Donc, on va donc ensuite. Disons que, comme vous voyez là, ça tombe bien. Vous pouvez voir les différents types de à acheter. Dès que vous avez acheté vos œufs, vous les laissez le temps de justement pondre les œufs par heure là. Dès que c'est fait, vous venez à entrepôt d'œufs. Vous venez à entrepôt d'œufs. Donc, vous pouvez voir là ce que j'ai déjà eu comme œufs. Je vais tout collecter. Quand vous allez dans l'entrepôt de vous, cliquez sur collecter. Voilà. Voilà ce que j'ai maintenant dans mon warehouse. Les œufs verts, jaunes et les quantités. Maintenant, quand c'est fait, je viens dans Excelling. Donc, je vais vendre ces œufs-là. Donc, vous pouvez voir là que 100 eggs, donc 100 œufs, équivalent à 1 silver coin. Donc, ici, on a mis 500, donc en pièces d'argent, ça nous fait 15 pièces d'argent, donc 15 silver coins. Ici, on en a 10 000, donc ça nous fait 103 pièces. Ici, on en a 69 000, ça nous fait 692 pièces d'argent. Donc, quand on va vendre, on va juste venir ici, on fait sell, tout simplement. Et vous pouvez voir là que j'ai encaissé 81 000, bref, j'ai vendu. Oh. Donc, ça choisit les parties qui doivent être traduites, excusez-moi. Donc, ici, on me dit j'ai vendu 81 123 œufs à la somme de 811 pièces d'argent. Donc, ici, vous voyez automatiquement que mon solde de retrait augmente. Et mon solde de réinvestissement. Donc, ça, je peux utiliser pour acheter les oiseaux, mais je préfère attendre, avoir un peu plus pour acheter l'oiseau bleu au moins, si je ne réinvestis pas. Donc, voilà un peu comment ça se passe.
Donc, vous voyez, vous avez vu comment faire pour acheter des oiseaux, collecter les œufs et ensuite les vendre. Aussi, maintenant, on va aller dans bonus quotidien. Donc, bonus quotidien, en fait, ça vous permet de gagner des pièces d'argent de 10 à 100 pièces d'argent gratuitement juste en vous connectant chaque jour. Voilà. Donc, maintenant, vous avez aussi des bonus de parrainage. Donc, ce n'est pas obligatoire le parrainage, mais vous gagnez des commissions de parrainage lorsque vous invitez les gens à utiliser Golden Farm. Maintenant, on va revenir sur Calculate. Donc, comme je disais tantôt, en fonction des oiseaux que tu veux, là, ça c'est ce que j'ai comme oiseau. Donc, si je dis par exemple que je veux gagner 10 dollars par jour, je peux décider d'upgrader ça. Ici, là, je peux dire que je veux peut-être 5 de ces oiseaux. Donc, c'est un exemple banal, mais vous pouvez calculer le revenu que vous allez avoir peut-être par semaine, par jour, par mois. Ça dépend de vous. Ici, peut charger le compte. Donc, par exemple, maintenant, je vais revenir à charger le code, mais bon, on va parcourir aussi. Vous pouvez lire les règles. Vous pouvez lire les règles générales. Vous pouvez lire à propos. Donc, pour voir, pour comprendre. Et puis, vous pouvez même regarder une vidéo sur YouTube qui vous explique encore mieux. Donc, je vais résumer. Je vais résumer. Je vais actualiser. Je vais résumer déjà. Golden Farm, c'est un site qui vous permet de gagner de l'argent en jouant. Et c'est quel type de jeu? Il suffit juste d'acheter des oiseaux que vous allez revendre pour échanger contre des pièces d'argent. Donc voilà, il y a plusieurs types d'oiseaux, plusieurs types de couleurs. Payment. Vous pouvez voir le paiement. Déjà, il y a plusieurs modes de paiement. Comme vous pouvez le voir ici, payeur, qui est le mode principal. Et puis les autres porte-monnaie, il y en a plusieurs, Perfect Money, des cash, Bitcoin, etc., etc., etc. Et vous allez voir que beaucoup de gens font plus de retraits via Perfect Money. Non seulement parce que le niveau de retrait minimum est bas. Et ensuite, et puis font comme ça juste pour se rassurer que ça paye vraiment. Et ensuite, ils ont plus d'informations en fait par rapport à cette société. Donc voilà. Donc si vous voulez faire les retraits ou les dépôts, je vous conseille d'utiliser Payeur. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Donc quand vous, si vous voulez retirer des fonds, vous venez dans Withdraw Fund. Donc je vais traduire là. Je vais traduire là. Donc vous voyez, c'est retirer les fonds. Si on veut retirer nos fonds, qu'est-ce qui se passe? On vient juste là et on choisit le moteur qui nous arrange le plus. Donc, si on prend par exemple payeur, payeur parce qu'il y a moins de frais, il y a moins de frais avec payeur. Donc, si on prend payeur, vous allez voir que le niveau minimum, quand vous venez à payeur, vous choisissez dollar. Vous demandez d'être payé en dollars. Donc, vous choisissez dollar. On vous dit que le minimum de retrait, c'est 0,04 dollars. Donc, c'est bien. Et vous mettez ici le montant de pièces que vous souhaitez donner. Par exemple, si moi, c'est pas ce que je vais faire. Hein. Si moi, je vais donner mes 31 029, 129. 3129. Voilà actuellement combien ça vaut en dollars, 0,4 dollars uniquement. Donc voilà, vous pouvez voir combien vous allez gagner là-dedans avant de vous engager n'importe comment. Donc voilà. Aussi, je vais vous montrer comment faire recharger le compte. Donc, si vous voulez recharger votre compte,
On va faire un essai. Si vous voulez recharger votre compte, bon, je vais voir si je peux déjà paramètres du compte, si je peux déjà mettre mon compte en dollars, c'est plus facile, je vous assure. Vous devez télécharger l'application mobile pour utiliser l'authentification. Ok, bon, c'est pas encore venu. Donc, comme je disais tantôt, voyez, payeur est le moteur, le mode de paiement principal de recharge ou de dépôt. Alors, on va faire un petit dépôt via payeur. C'est 1 dollar. 1 dollar, étant donné que 1 dollar égale à 65 robes. Donc, je vais mettre 65 robes. Je peux choisir 1 dollar. Voilà. Non, je vais reprendre l'opération. J'ai plutôt mis un rep en pensant que c'était 1 dollar. Donc, le nombre de reps, je vais mettre 66 reps. Oui. Ça va me donner 13 200 silver coins. Voilà, je clique sur plus à compte ici. Ça dit si vous rechargez avec des bitcoins, venez écrire ici sous bitcoin. Si vous rechargez avec Mastercard ou Visa, venez ici. Et ensuite, quand vous allez valider, vous serez redirigé vers la page concernée. Donc voilà, je vais cliquer sur plus à compte. Voilà, replish account. Donc voilà. Donc, 66 euros. Bon. Je dois choisir le mode de paiement. Donc, moi, je vais payer par USD parce que c'est le dollar USD que je pense que j'ai. 2 euros, 1 dollar, je n'ai pas dans le compte, donc je vais les vider. Tout ça fait 1,10. Donc je continue. Voilà, ça charge. Ça charge, donc je vais valider. Ça fait 2, 9, 1, 9, 2, 9, 9, 4. Yes. 4, 8, 9, 6, 6. Voilà, ça charge. Allez, fais ça, charge un peu plus vite là. Donc, on a 1,55. Donc, c'est bon, je peux faire la transaction. Je fais confirm. Donc, je confirme la transaction ici. Ça, c'est pour ceux qui vont recharger via payeur. Donc, je confirme la transaction et ensuite, voilà. Vous voyez, mes 13 000 silver coins ont déjà été rechargés. Donc, c'est ça, ils ont été rechargés. Donc, si maintenant, quand vous avez rechargé, vous revenez maintenant dans Buy X et choisissez les oiseaux qui ont le plus, qui ont, voilà, choisissez les oiseaux qui ont un nombre de points supérieur, plus élevé et qui peut entrer dans votre budget. Si votre budget dépasse, ne cherchez pas les oiseaux qui coûte cher, donc en fonction de vos moyens. Mais si vous avez des moyens, essayez de regarder les points, le nombre de silver
coin que vous avez, combien ça coûte, et ensuite vous rachetez le niveau là pour vite avancer. So, j'espère que vous avez adoré ma vidéo, que vous avez aimé, que vous avez liké et partagé. Donc, je suis. Merci de m'avoir écouté, les amis. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser les commentaires sur ma chaîne. En commentaire, je vais vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée, journée. Merci, au revoir.